Bon, on est à l'aéroport, au Yule. On s'en va à Détroit. Présentement, il est 11h. Le vol il est à 1h. Attends, il est-tu 11h? Ouais, il est 11h. On s'en va à Détroit. Dans le fond, aujourd'hui, journée normale. On va gager après les glucides à soir. Qu'est-ce qu'on mange? Ce qui veut dire que déjeuner, OK, vu que c'est une journée off day, déjeuner, on 350 g de blanc d'œuf, deux œufs entiers, 75 g de crème de riz, 100 g de bleuet, crème de riz Active Flavor, la meilleure sur le marché. Gap 15 sur le site, puis vous allez avoir 15% off. Par la suite, deuxième repas, 75 g de crème de riz, 70 g d'iso. Je prends des autres qualités. La diesel, c'est la meilleure sur le marché avec la ATP, selon moi. C'est de la protéine de Nouvelle-Zélande. Par la suite, troisième repas que je mange dans l'avion, 300 g de poisson, 100 g de légumes, avec ma petite sauce barbecue sans sucre. Quatrième repas, même chose, 300 g de poisson, 100 g de légumes, ma petite sauce barbecue sans sucre. Cinquième repas, 75 g de crème de riz, 70 g d'iso. Puis sixième repas, dans le fond, c'est 300 g de steak. Puis on va gager au sixième repas combien de glucides que je mange avec. Fait qu'aujourd'hui, journée low, ça va flusher, je suis assez sec. Je vous annonce quelques petites nouvelles. Okay. Le gym, il est bientôt fini. Fait que plusieurs projets en vue. On va voir aussi comment ça se passe à Détroit. Là, il faut que j'aille faire des steps, des pas. Il faut que j'aille marcher. Pourquoi? Pour bouger, pour ne pas faire de rétention d'eau dans la journée. Je sais qu'aujourd'hui, c'est rest day. À soir, je vais pomper un peu pour envoyer le sang dans le muscle, vu que je vais rester assis dans l'avion. L'avion, c'est 1h50 de vol. C'est pas si pire. Je devrais pas faire d'eau. Puis j'ai classe, dans le fond, VIP, genre première classe. Ce qui veut dire que je vais pouvoir marcher dans ma petite cabine. Bouger. Je continue à boire 8 litres d'eau, maintenir mon sel stable à chaque jour. Fait que, manquez pas ça. Je vais vous faire des recaps tout le long de la journée. On est le 12 avril. Bon, petit résumé. On est arrivé à 2h20. Après, on est allé à l'hôtel, etc. Il y a eu du délai, nos bagages étaient en retard. On a fait fouiller nos bagages en plus. Après, il fallait qu'on aille au Walmart. Là, dans le fond, je suis à mon cinquième repas. 75 g de crème de riz, 70 g d'iso. Je suis assez dry. On voit mal, mais... Je suis assez dry, OK, en ce moment. On est allé au Walmart. Dans le fond, on a acheté tout ce qui est, pour moi, essentiel. Ce qui veut dire... J'allume la lumière. Wow! Dans le fond, je vous montre ce qu'on a acheté. Un four micro-ondes pour faire cuire ma bouffe. On a acheté du Jell-O sans sucre. Plein de saveurs pour ramener chez nous parce que on n'a pas ça au Québec. On a acheté des pop-tarts cinnamon bread. On sait jamais, pour carby, whatever. Puis parce qu'on n'a pas ça, puis je voulais goûter pour peut-être après le show, des Rice Krispy Street. J'ai acheté pour demain, pour carby, des patates. J'ai acheté mes fameuses chips qui sont au four, au cas où le cassoir j'en mange. Des Krispy Mini pour un extra sodium backstage. Banane pour carby. J'ai acheté des cuillères pour mesurer mes affaires. J'ai acheté des légumes, blanc d'œuf, guacamole. Ma blonde avait besoin de yogourt grec. Des bleuets pour demain. Du riz basmati. Ah, j'ai acheté aussi. Aux États, c'est fou comment ils ont des affaires, c'est le rêve. Des cinnamon toast crunch. Loaded, ils ont de l'air malade mental. J'ai acheté plein d'affaires inutiles pour de vrai. Je fais tout le temps ça que je suis en prêt, puis c'est le jour du show. Pour le jour du show. Yeah. Peanut butter. Reese peanut butter. Ceux-là, ils ont de l'air insane. On n'a pas ça au Québec. On a acheté quoi d'autre? Hey, ici, c'est le rêve des sauces barbecue sans sucre qui ont n'importe quoi sans sucre. C'est vraiment insane pour vrai. OK. Hey, j'ai acheté même des Pop-Tarts. Checkez ça. Applejack. qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Il me semble que j'avais trois sacs. Une, deux, trois. Ben oui, c'est trois sacs. Guacamole.
bleuet, je vais mettre ça dans le frigidaire. Ma blonde son Hugo grec. Des œufs pour demain parce que j'ai pas de poêle. Un ouvre-boîte pour mes légumes en canne sans sel. Des blancs d'œufs pour demain. Riz, du ketchup avec sucre pour l'extra carbs puis l'extra sodium. Fait que c'est ça. C'est ça que j'ai acheté. Fait que je suis équipé pour le carb up puis équipé pour mon cheat après. Puis après ça pour tomber sur la track. Fait que là, je me prépare. Aller manger mon meal. Je vais défaire les affaires, mettre ça dans le frigidaire. On a un frigo. L'hôtel est vraiment cool pour vrai. J'ai vraiment tout chaud. Fait que je vous tiens au courant des prochains updates. Bon, je viens d'aller pomper un petit peu pour envoyer du sang. J'ai fait des abs, du vacuum. On va aller s'étirer. Puis dans une heure, on mange notre dernier meal. On va sûrement commencer à carber un peu. Bon, à soir, je suis vraiment à plat. 235 points. 6 livres, d'habitude je flush entre 7 à 10 livres dans la nuit. Puis comment que je sais quand je suis plat, c'est mon upper chest, il devient plat. Mes abs sont vraiment moins collés, mes glutes aussi. J'ai aucune vascularisation en ce moment. C'est la vie. Mais là, à soir, 300 grammes de steak avec une patate, des légumes, puis mes fameuses chips cuites au four, comme qu'on faisait quand qu'on était trop bas. Fait que je vous montre ça à l'instant. On a déjà eu ce petit repas-là. Et ensuite, on va se coucher. Quand t'es déjà couché, j'ai vraiment hâte à demain. Dans le fond, demain, comment la journée va se passer? Je me lève, je fais mon cardio, je déjeune, je vais au gym, juste un training de pompe. Par la suite, je pose un peu, on check ma shape, on mange, on pose après avoir mangé à chaque fois. Il y a aussi mon tanning à 4 heures. Et après ça, à 7h30, c'est la rencontre, le meeting des athlètes. Fait que j'ai vraiment hâte à ça. Fait que, dans le fond, on se revoit demain. Bon, je viens de faire mon cardio. Premier, un matin, je suis 229.6. Vraiment, mon plus léger de la prep. Je suis plat, vraiment plat. Premier repas, 150 g de crème de riz, 100 g de bleuet,
une banane, 175 grammes de blanc d'œuf, avec deux œufs entiers. On a réduit la protéine à moitié. J'ai gardé par contre mes œufs entiers, les deux, parce que ça a plus de gras. Fait que je mange deux œufs entiers avec, comme j'ai dit, une banane puis 100 grammes de bleuet. Fait que après ça, je mange ça. Après ça, Nick va checker ma shape. Veux-tu m'ajouter 15 grammes de beurre de peanut, s'il te plaît? Il est là, la balance. Vu que ma protéine, je drop de moitié, puis je suis vraiment en plat à matin, dans le fond, vu que je déjeune tôt en plus, on rajoute un petit 15 grammes de beurre de peanut pour les gras sur mes glucides. Comme ça, je vais être sûr de remplir. Fait que je mange ça, puis après ça, on s'en va se préparer pour aller au gym. Bon, ouais, donc, on s'en va au Planet Fitness. J'ai pris mon insuline, carbolin, citrulline, intro-workout, je prends encore 50 grammes de carbolin, comme d'habitude. Puis post-workout, au lieu de 70 grammes 10 jours, j'ai 35 grammes. J'ai 150 grammes de crème de riz, puis je me suis mis une banane. Avec Nick. Bon, on va commencer avec du pec deck. Pomper le chest. De toute façon, on va pomper épaules, dos, bras. Puis on va faire un peu de pumping de jambes pour être sûr qu'il reste plein. Fait qu'on commence ça. Je fais des supersets. Je vais faire un pec deck en superset avec du press machine. On va juste chercher le maximum de contraction de la pompe, pas lourd. Puis après ça, on décalisse. Bon, là on va faire un peu de shoulder press. De press à la machine. On va pomper. Bon, là on va aller faire du dos. On va faire du lat pull down à la machine. On va pomper ça. Après ça, on va faire du row. Par la suite, on va faire des bras. Superset de biceps, après ça un superset de triceps. Bon, là, on va pomper les quads, parce que les quads, dans le fond, c'est un de mes points faibles. Mais c'est pas mon point faible, c'est que tellement d'eau qu'il faut des gros quads. Je veux qu'ils restent pleins. On les pompe, pas de dommages musculaires, juste pour être sûr qu'ils soient pleins le jour du show. Bon, dans le fond, là, présentement, on est au troisième repas. 400 g de patates, 100 g de légumes, 200 g de poisson blanc. J'ai réduit un peu mes protéines, j'étais à 300 g normalement. Du sel, on maintient stable, sauce barbecue. Je vous montre ça à l'instant. On vient d'aller au Walmart, aller au Target, un peu checker des affaires. J'ai même trouvé des céréales, spéciale édition Dragon Ball. Fucking cool. By the way, j'ai pas tout filmé parce que, dans le fond, j'ai manqué de batterie. Désolé. Je vais filmer toutes les prochaines affaires que je fais. Vous manquerez rien, inquiétez-vous pas. Ça, avec un peu de sauce barbecue sans sucre. On va en mettre un peu. Une shit tonne. Puis on enjoy. Bon, j'ai pas mon micro. En ce moment, je suis tellement plat. Ça va être ma troisième pop-tart. On rentre des carbs rapides. Pourquoi? Ben, des glucides rapides, raffinés. Je suis à mon plus léger de la prep. Je flush tout ce que je mange, c'est fou. Ok, on rentre ça. Puis on check le look au fur et à mesure. Dans le fond, je l'ai mangé deux avec mon troisième repas, finalement, avec mes patates. Là, j'en mange une entre chaque repas.
bon. Une autre Pop-Tart. Avec ça, j'ai 150 grammes de crème de riz. Puis j'ai 200 grammes de poisson. Mon poids est à 233.2. Il faudrait que je sois à soi 239. Max 240. Pour flusher. Dans la nuit, je flush à 7 à 10 livres. Fait qu'on va voir comment que ça va. Bon, on s'en va pour la petite Anne. Avec Nick. Dans le shape, Nick. Alors, moi, j'ai commencé à remplir, là. Puis il me reste genre 2 litres d'eau à boire. Le but, c'est que je sois genre 2,39 à soir. Mon ventre est plein, par contre. Bon, le temps est fait. La face est creusée. Ça colle à mort. Là, ça colle. Qu'est-ce qu'on mange? Entre les repas, rien de mieux que Pop-Tarts. Pas le choix. J'aime pas Chef Load, mais là, il faut. Bon, on s'en va au Five Guys à soir. Avec Alex. Bon, dans le fond, aujourd'hui, je remplissais pas. Ce qu'on a décidé de faire, c'est improviser. On a shitloadé, ce qui veut dire que j'ai mangé de la junk, du Subway, des chips, 2 sacs de chips. Puis tout d'un coup, mon look a pris vie, je lookais vraiment 2D, dégueulasse, je savais pas ce qui se passait, je brûlais au travers de tout ce que je mangeais, je restais au même poids. Là, dans le fond, je vais en manger un petit hamburger bacon avec une grande frite, puis un peu de coke diet. Après ça, je vous tiens au courant de mes prochains ajustements. Five Guys, valeur sûre. Bon, grande frite, mayo pour les fat boys, pour Alex. Ça te manque-tu de compétitionner, Alex? Non. T'es en shape, mettons. Mange ce que je veux quand que je veux. Un petit hamburger bacon. Yes! Pour pas bloater, pas trop de protéines. Puis avec une grande frite de maillot pour des fêtes. Fait qu'on enjoy ça. Bon, présentement, à matin, 229. Je suis un peu encore plat du chest. Dans le fond, j'ai mangé toute la nuit. À 3h30, je me suis levé, j'ai mangé 4 rice cakes avec une shitload de barres de peanuts puis de confiture. Même affaire à 3h30. Puis, je l'ai mangé 2 à 5h30. J'ai bu 2 litres de liqueur avec sucre. Je vous dis ce que j'ai mangé total. Dans le fond, total. Déjeuner hier, 200 g de blanc d'œuf, 2 œufs entiers, 15 g de beurre de peanut, 150 g de crème de riz, une banane, 100 g de bleuet, pré-workout, insuline, 25 g de carbolin, 10 g de créatine, 10 g de EAA, 10 g de citrulline, intra, 50 g de carbolin, 10 g de EAA, post, 35 g d'iso, 150 g de crème de riz, une banane, 1003, 400 g de patates, 200 g de poisson, 2 sacs de Pop-Tarts. Une heure plus tard, un sac de Pop-Tarts, 1004, 200 g de poisson, 150 g de crème de riz, un sac de Pop-Tarts, 1005, un 12 pouces Subway, extra poulet rôti avec avocat, 2 sacs de chips, 1006, mon Five Guys, un petit hamburger bacon avec une grande frite. Dans la nuit, j'ai mangé 4 heures. Minuit et demi, 4 rice cakes, shitload de beurre de peanut et confiture, même chose à 3,5 et 2 à 5,5. J'ai bu 8 litres d'eau puis 2 litres de liqueur. Là, je m'en vais déjeuner. On est le jour du show, 14 avril 2024. Je vais vous montrer mon déjeuner. Mon déjeuner, hot cake, saucisse œuf, pancake avec des patates, mettre une tonne de ketchup avec des sauces puis du sirop. On rentre les carbs.
Bon, 6 mai 2024. Ça a pris 3 semaines avant que je fasse cette petite vidéo de recap là de Détroit Pro. Je vous promets que là, je recommence à faire des vlogs. Demain, je fais un training, un entraînement dans le fond de push, qui veut dire chest, épaule, triceps. Oui, je m'entraîne plus 2 fois par jour parce que je maximise ma récupération, mais je fais quand même 47, puis c'est vraiment intense mes entraînements. Durant mes entraînements, puis je vais vous parler aussi de ma nouvelle diète pour optimiser ma digestion. OK, dans le fond, j'ai pas tout filmé à Détroit. Pourquoi? Parce que, ben, tu sais, vous avez vu toutes les vidéos précédentes, parce que j'étais ultra plat, puis on a paniqué, il fallait que je trouve le moyen de remplir. J'étais à 60% de ma shape parce que mes épaules étaient plats, mes triceps. Quand je suis plat, moi, c'est upper chest, devant d'épaule, triceps. Il faut savoir que plus que t'es gros, plus que quand t'es plat, ça paraît parce que t'as plus le muscle qui pousse contre la peau, OK? Quand t'as moins de masse musculaire, t'as pas tant de muscle que ça, fait que t'as pas autant de glycogène dans le muscle. OK, mais le muscle est fait à 75% d'eau. Comme j'ai dit dans une vidéo, j'ai eu la gastro. Au début, je savais pas pourquoi j'allais aux toilettes puis mes caca étaient de l'eau. OK, dans le fond, je ne savais pas pourquoi, puis j'allais aux toilettes 10 à 11 fois, peut-être 12 par jour. Le samedi, c'est arrivé à une journée avant la compé. Plus la journée allait, plus que j'étais plat, comme j'ai dit dans la vidéo. Puis, dans le fond, on a improvisé. On a mangé énormément de bouffe. Honnêtement, j'étais à 60% de ma shape, puis ça a affecté mon posing, ça a affecté ma confiance en moi, parce que j'avais plus même mon dos, c'est mon point fort. Tout ce qui est les lattes qui pend, la carapace de tortue, j'avais moins ça. Puis Nick m'en a parlé après le show parce qu'il voulait pas me faire paniquer. Moi, je l'ai remarqué quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai fait « Oh, il y a de quoi qui va pas avec ma shape ». Il voulait pas me faire paniquer la journée du show, stressé. Puis quand tu stresses, c'est encore pire, tu fais de l'eau, t'es encore plus plat. Du coup, c'est pas... Honnêtement, l'expérience... Moi, parce que je vise pas une position, je vise un look, l'expérience... C'était cool, un pro show que tout le monde m'a dit. Vraiment bonne shape, bon pro début. Mais j'aurais aimé arriver à mon 100%. Honnêtement, tout était parfait. La prep, c'était la prep la plus facile que j'ai eue. Ma taille, en plus, c'était petite, toute la prep. Pour vrai, j'ai des photos. Tout était parfait. Puis le jour du show, malheureusement, c'est de quoi que je peux pas contrôler. Quand tu as la gastro, faut savoir que tu flushes sodium, potassium, magnésium. Puis moi, je savais pas que c'était une gastro, parce que moi, mon athlète qui m'avait vu dans les journées précédentes, il m'a dit qu'il y avait la gastro. Puis je me suis dit, ça doit être ça que j'ai attrapé, parce que ça courait, puis j'avais beaucoup d'athlètes qui avaient la gastro récemment. Fait que c'est de quoi qui arrive. Prochaine fois, on espère pas avoir la gastro. Mais tu sais, dans le fond, moi, j'espère refaire le Détroit Pro l'année prochaine. Anyway, j'aurais pas gagné, je le sais. Je serais peut-être arrivé 3 ou 4. Pour vrai, le line-up était super bon. Tous des bons gars. Harris, Shred, OK, tout le monde était sec. Pour vrai, Good Vito, Olympia, shape dans le top 10 Olympia. Martin, Fitzwater, shape à la Philippe. Pour vrai, tous des bons gars, OK? Puis, ça m'a vraiment affecté mentalement parce que, mettons, tu sais, on voit même juste, mettons, sur cette photo-là, ça, c'est à 4 semaines avant la compé, la rondeur de mon triceps, puis c'était plus le même pop que j'avais, tu sais. Puis même dans les vidéos précédentes, vous allez voir à 2 jours avant la compé, comment mon dos, quand je pompais du dos, ça, genre, mes triceps étaient ronds, mes biceps, mes épaules, puis c'était pas pareil le jour du show, en tout cas. Faut savoir que le muscle est fait à 75% d'eau, puis quand t'es plat, ben... Le muscle pousse plus comme de la peau, premièrement. OK, c'est ça, ça a fait en sorte que quand je marchais, puis je contractais pas mes muscles, j'avais l'air plus soft, moins dur. OK, à final, j'étais mieux par contre. OK, mais tu sais, il y a aussi le fait que j'ai mangé beaucoup de bouffe, la waste a grossi un peu, puis moi, j'avais prévu tout en sorte pour pas carber en malade, puis j'ai dû carber en malade. Je peux même vous faire un petit résumé de mon carb-up. Je pense que j'en ai parlé dans mon dernier vidéo, mais on va en faire un. OK, anyway, merci à tout le monde d'écouter mes vlogs, OK, j'apprécie énormément, je sais que j'ai pas été présent ces derniers temps, OK, dans le fond, tout ce que j'ai mangé, repas 1 le samedi,
Le show, si je me trompe pas, c'était le 14 avril. Fait que samedi 13 avril, 200 g de blanc d'œuf, 2 œufs entiers, 15 g de beurre de peanut, 150 g de crème de riz cru. Ce qui veut dire que je la faisais cuire après. Une banane, 100 g de bleuet. Avant l'entraînement, 25 g de carbolin, 10 g de créatine, 10 g de EAA, 10 g de citrulline avec de l'humalog. Intra-workout, 50 g de carbolin, 10 g de EAA. Après l'entraînement, 35 g d'iso, 150 g de crème de riz, une banane. Repas 3, 400 g de patates, 200 g de poisson. On faisait comme normalement. Puis plus la journée avec avançait, j'ai pompé un peu parce que moi, je fais tout le temps une petite pompe pour envoyer les nutriments dans les muscles, même la veille du show. Mais là, ça allait pas plus que la journée allait, plus que j'étais plat. OK? Fait que j'ai mangé deux sacs de Pop-Tarts. Deux sacs, pas deux Pop-Tarts, deux sacs avec le repas 3. Une heure plus tard, un sac de Pop-Tarts. Repas 4, 200 g de poisson, 150 g de crème de riz. Un sac de Pop-Tarts. Une heure plus tard, un sac de Pop-Tarts. Là, il y a mon ami Alex Auger qui vient me voir parce qu'il était là au show. Big, ça va pas. Il dit là, Big, il a été m'acheter des chips, des muffins, etc. Du Coke avec du sucre, du Mountain Dew avec du sucre. Il dit, mange ton Subway. Il dit, mange du Subway, genre, avec deux sacs de chips. Fait qu'il mange deux sacs de chips, Subway. Oui, j'étais plein en salle de l'estomac. J'étais vraiment plein de l'estomac. Mais je lookais meilleur, genre, instantané. OK? Parce que j'avais trop perdu de sodium, dans le fond. Mais tu sais, il manque de potassium aussi, de calcium, magnésium, tout ça. J'ai la gastro, je flush mes électrolytes. C'est pour ça qu'on prend du Pédialyte quand on a la gastro. Tu déshydrates. OK? Puis tu déshydrates trop. OK? Puis les électrolytes, c'est ça qui retiennent l'eau dans le muscle. En tout cas, après ça, j'ai mangé un muffin. Une heure plus tard, un autre sac de Pop-Tarts. Repas 6. Un Five Guys, dans le fond, au GTO, ou Five Guys, pour ceux qui ne savent pas, c'est un restaurant de burger, meilleur burger. Dans le fond, un petit hamburger bacon avec une grande frite, ben de la mayo, ben du ketchup, ben du sodium et des gras. Dans la nuit, ah, puis j'ai bu du Coke aussi. J'ai bu un 750 ml de Coke. Après ça, dans la nuit, j'ai à minuit et demi, 4 de galettes de riz. Une shitload de peanut butter, ce qui veut dire une shitload de beurre de peanut avec de la confiture. Puis j'ai bu du Mountain Dew avec sucre. Dans le fond, j'en ai bu un, qui est 750 ml. Après ça, à 3h30, même chose. 4 galettes de riz, shitload de beurre de peanut et de confiture. 5h30, 2 au lieu de 4. Puis dans le fond, j'ai fini un petit pot de... Dans le fond, ça doit être un 300-400 grammes de beurre de peanut puis de confiture. Pour vous dire à quel point j'ai mangé des calories. Le déjeuner, j'ai mangé crêpes avec des œufs, du bacon. Du bacon pour le sodium. J'ai pas mangé vraiment de protéines. Genre, les œufs, j'ai peut-être deux œufs. Puis, parce que dans le fond, la protéine, c'est ça qui est le plus dur à sa digestion. Puis des crêpes, puis du sirop d'érable. Après ça, j'ai mangé un muffin. J'ai mangé des crispy mini. J'ai pris de l'insuline aussi en pompant pour essayer d'embarquer sur le stage. Puis honnêtement, oui, j'étais sec. Mais quand je posais pas, j'avais plus la densité que j'avais. J'avais plus les rondeurs que j'avais parce que j'étais plat. OK? Puis c'est un problème quand tu es extrêmement plat. Dans le fond, il faut savoir que je pesais 9 livres. Que à mon meilleur look de d'habitude. D'habitude, à mon meilleur look, je suis aux alentours de 2,37, OK? Parce que moi, je suis OCD, ce qui veut dire que je suis obsessif, je calcule tout. D'habitude, mon meilleur look, c'est après l'entraînement, après 4 litres d'eau, 2,37 livres, OK? 2,38 environ. Puis le matin du show, même si je buvais, il faut savoir que j'ai bu 2 litres de Coke en tout, 2 litres de vrai Coke, j'ai pas coupé l'eau. Puis le matin, j'ai bu un 2 litres au moins de vrai Coke, j'ai bu un 750 ml de carbolin, OK? Puis, tu sais, j'ai sué sur le stage. Pourquoi? Parce que je retenais pas mes électrolytes. Ce qui veut dire que, dans le fond, j'avais un débalancement potassium, sodium, magnésium. Ce qui veut dire que, oui, j'avais beaucoup de sodium, mais j'avais pas assez de potassium, etc. OK? Fait que faut savoir que les électrolytes... Tu sais, tout le monde look bien, même en bas en glucides. Pourquoi? Parce qu'on est haut en électrolytes, puis en eau. OK? Mais, quand tu débalances ça, ben tout screw up. Checker Big Ramy en 2022 Olympia versus 2023. C'est pas les stem cells, non. C'est juste 2023 Arnold Classic. C'est juste qu'il était extrêmement plat. Il était genre 20 livres de plus à l'Olympia ou Arnold Classic 2023. OK. Tout popait. Tu sais, quand t'es plat, tes points faibles, c'est eux qui partent en premier.
Après ça, c'est le reste. Et checker juste, mettons, comment il s'appelle, Adibou Blessing, OK? Quand il a gagné New York, il était ultra plein. Il lookait bien, puis il était plus à l'Olympia, puis il lookait pas bien. Tu sais, il faut savoir que quand t'es plat, tu lookes pas bien. Il y a certaines personnes que c'est là, que même plat, il look super bien, mais c'est pas la majorité des cas. Puis il faut savoir que plus t'es gros, plus t'as une masse musculaire, plus tu retiens de glycogène, d'eau dans le muscle, plus que quand t'es plat, ben, tu lookes moins bien, OK? Puis, by the way, demain, je vais faire un vlog, puis je vais vous partager ma diète actuelle, etc. Hors sujet. OK, tu sais, ça, c'est quelques photos. Tu sais, j'ai eu quelques belles photos, je vais toutes vous les montrer, puis je vais les poster sur mon Instagram. OK, dans le fond, je peux même en mettre une coupe. Il y a celle-là. Ça, c'est à la finale. À la finale, je lookais vraiment mieux. Ça aussi, c'est à la finale. OK. Ça aussi, c'est à la finale. Tu sais, c'est vraiment à la finale, je lookais pas mal mieux. À la finale, je fais 3 livres de plus que le matin. T'sais, je lookais mieux, mais tu sais, j'étais pas encore assez plein. Puis, faut savoir que le matin, j'étais à 228. Puis, normalement, mon meilleur look est autour de 238. 228, avec toute cette bouffe-là dans l'estomac, faut penser à ça. OK, oui, j'allais à la gastro, j'allais aux toilettes, mais tu sais, il y a de la bouffe qui restait dans l'estomac versus que d'habitude, j'ai un repas plus mon 4 litres d'eau, puis l'eau, ça s'absorbe assez rapidement parce que quand t'es sec, tu retiens pas d'eau, je retenais pas d'eau. T'sais, mettons, je vais vous montrer des photos. Ça, t'sais, c'est quand que je m'entraînais, que je retenais pas d'eau. Je n'avais aucune rétention d'eau. Puis j'avais fait jambes la veille, OK? Fait que, tu sais, il faut savoir qu'un coup que t'es plat, souvent la game est finie. Tu sais, là-dessus, je retenais pas d'eau. J'avais genre 3-4 repas dans le corps avec genre 5 litres d'eau, tu sais. Puis j'étais plat là-dessus, si je me souviens bien. OK? Puis, tu sais, mais j'étais pas aussi plat qu'à la compé. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut penser qu'un muscle plein, c'est un muscle qui est dur. Un muscle plat, c'est un muscle qui ne lookera pas autant. Fait que, c'est ça pour le petit vlog. Fait que, merci à tout le monde d'avoir écouté ça. Je recommence à faire mes vlogs assez. Je vais en faire 1 à 2, peut-être 3 semaines, dépendant des semaines. À recommencer à poster des vidéos YouTube. Fait que je vais être plus actif. Fait que, merci à tout le monde d'avoir écouté cette petite vidéo-là. Si vous voulez du coaching, n'hésitez pas à m'écrire via Instagram, Gabriel Garipi, coaching. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous avez des questions. Vous voulez aussi une consultation. Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté cette vidéo-là. N'oubliez pas de liker. Écrivez en commentaire ce que vous aimeriez savoir. Partagez un max. Puis activez les notifications. Merci, gang. Ah, c'est encore moi le fatiguant. Dans le fond, juste pour revenir, les juges, les commentaires des juges, c'est qu'ils m'ont trouvé bon, qu'il fallait que je sois plus plein pour la prochaine fois. Fait que là, je torse. Puis, fait que c'est comme. Comme je vous dis, j'étais plat, plus plein, plus, tu sais, comme ça, puis plus dry, parce que quand t'es plat, tu parais moins dry. Ils m'ont trouvé super bon, commentaire des commentateurs, Yann Dallaire, etc. Super bon aussi, comme pro début. Pour vrai, je suis content. Même un des juges est venu me voir, c'est un juge canadien qui m'a dit, j'ai bien représenté le Canada, ça m'a vraiment touché. Parce que moi, j'étais déçu de ce que j'ai apporté sur le stage, puis j'ai été touché aussi par tous ceux qui m'ont écrit, qui ont trouvé que ma shape était insane, alors que moi, je suis dur avec moi-même, alors que moi, j'ai trouvé que était pas pareil, fait que j'ai pas aimé ma shape ce jour-là, fait que merci à tout le monde d'avoir m'avoir écrit en privé, puis de m'avoir partagé, fait que merci, n'oubliez pas de liker, comme j'ai dit, écrivez en commentaire ce que vous aimeriez savoir, abonnez-vous, puis activez les notifications.